L'épidémie de Covid-19 était peut-être pour certains d'entre vous une idée lointaine. Elle est devenue une réalité immédiate. La Covid-19 frappe fort à travers la planète, à travers le pays. The coronavirus is the biggest threat this country has faced for decades. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr. In over 120 countries, it's called the invisible enemy, and that's what it is. It's an invisible enemy. In these extraordinary times, our government is taking extraordinary measures. COVID-19 can be characterized as a pandemic. How dare you? You have stolen my dreams. Make our planet great again. Je ne veux plus mentir. On se croirait dans un film catastrophe sur l'effondrement. On se croirait dans un scénario apocalyptique. Pourtant, c'est la réalité, c'est devenu notre quotidien. Un virus, le Covid-19, est parti à la conquête de la planète, nous forçant au confinement, créant la panique sur les marchés boursiers, causant des pénuries et tuant massivement. Comment en est-on arrivé là? Qui est responsable? L'humain? Le capitalisme? La catastrophe écologique? Pour comprendre d'où vient ce virus, j'ai échangé avec des spécialistes. La responsabilité humaine ne fait plus débat. Plusieurs publications scientifiques dans la revue Nature mettent en évidence le rapport entre le virus et la contamination humaine via des animaux qui ont servi de réservoir à la maladie. C'est ce qu'on appelle les zoonoses, des animaux qui se sont retrouvés dans cette situation à cause de nous, les humains. Ce qui compte, au milieu de cette crise sanitaire mondiale, c'est de saisir comment et pourquoi cette épidémie survient. Comment un virus animal a franchi les frontières des espèces pour infecter les humains. Il y a déjà eu deux épisodes antérieurs. Il y a eu le SRAS en 2003, causé au fond par une situation très 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 similaire à la situation actuelle. Il y a eu le MERS coronavirus au Moyen-Orient, dans la péninsule arabique en 2012, qui est survenu dans des conditions aussi relativement similaires. Donc on avait déjà des exemples et des évidences que ce type de virus, qu'on appelle les bêta-coronavirus, avait une capacité à faire le saut d'espèce, c'est-à-dire passer de l'animal, des mammifères à l'homme, avec une certaine facilité, et que la survenue de cet événement causait une maladie qui avait été relativement dramatique dans le cas du SRAS et dans le cas du MERS coronavirus. On savait que ce type de virus allait pouvoir réapparaître à un moment ou à un autre, sous une forme ou sous une autre. On sait par exemple que certaines éclosions de virus à Ebola, qui est également un virus qui se transmet entre les populations animales et humaines, donc qui est une zoonose, le terme approprié, a été déclenchée par la vulnérabilité de certaines populations humaines qui se tournaient vers la faune sauvage pour l'alimentation, notamment consommer des carcasses, par exemple, de singes qui étaient trouvées là, qui étaient infectées par ce virus. Donc, c'est un ensemble vraiment de facteurs, oui, liés aux perturbations environnementales qui favorisent l'émergence de ces agents infectieux à l'origine. Quand on regarde la situation depuis quelques décennies, on compte qu'environ 75% de ces nouvelles maladies émergentes en réalité sont liées à des zoonoses. Ce sont des situations qui sont au fond très 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 similaires et qui montrent à quel point au fond l'emprise de l'homme sur la planète, les changements des écosystèmes qu'il établit, son invasion d'écosystèmes dans lesquels il n'est pas nécessairement naturellement présent, tout ça crée des opportunités de saut d'espèces et des risques de ces infections émergentes. Dans une tribune du New York Times, Peter Daszak, président de EcoHealth Alliance, nous raconte qu'en 2018, lors d'une réunion à l'OMS, un groupe d'experts dont il fait partie invente le terme de maladie X pour parler de la prochaine pandémie. Et il écrit « Nous savions que la maladie X arrivait, elle est maintenant là. Nous devons arrêter ce qui est à l'origine des épidémies de masse plutôt que de simplement répondre aux maladies individuelles. » Ce que Peter Daszak nous dit, c'est qu'en réalité, tout cela était prévisible. Les données de la science et nos collègues épidémiologistes
permettait de se dire qu'à un moment donné, ça allait péter. Il allait avoir un drame. Il ne faut pas oublier que ce message, ça faisait 20 ans que les chercheurs le disaient, le portaient, mais qu'ils n'étaient pas écoutés. En regardant les travaux de certains de nos collègues, ben, je pense que d'aucuns auraient pu se dire bon, à quand la vraie catastrophe, quoi ? À quand le truc qui va vraiment être ingérable ? Il faut que nos gouvernants ils regardent ce que dit la science. Le Covid-19, comme avant lui d'autres virus comme Ebola, la rage, le sida, Zika, la peste et d'autres qui nous sont aussi transmises par des animaux, sont surtout sortis de leur environnement parce que nous avons abattu les barrières naturelles entre nous et les espèces sauvages, avec la déforestation, l'étalement urbain, le braconnage, le trafic d'animaux sauvages, la dispersion d'animaux exotiques ou encore la dégradation des espaces naturels. Nous en subissons aujourd'hui les conséquences. Le problème, c'est que parce que nous déréglons les écosystèmes, des espèces se retrouvent loin de leurs habitats naturels et en contact avec l'homme. Par exemple, dans la dépêche vétérinaire, Hélène Soubelet, la directrice de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, écrit un article intitulé « Maladie infectieuse, la grande accélération ». Elle explique que la maladie de Lyme, qui ressurgit en Amérique du Nord, est la conséquence du déclin du renard roux, prédateur de rongeurs, le réservoir animal de cette maladie. Maintenant, donc on ne retrouvait pas finalement une abondance aussi grande de cette espèce souris à pattes blanches dans certaines régions du Québec auparavant. Donc elles se sont déplacées. Probablement la prévalence d'infection, encore une fois, augmente dans ces régions dues à ces perturbations. Et donc, ce qu'on voit au final, c'est une émergence de cette maladie, la maladie de Lyme, au Canada depuis les dernières années. À différents niveaux, oui, les animaux vont se déplacer davantage, étant donné qu'il peut y avoir une perte de ressources alimentaires, une destruction de leur habitat naturel. Ça va dans tous les sens. Hein. Ces contacts, actuellement, se multiplient, hein, du fait de l'activité. Croissement, si je puis dire, des activités humaines sur la planète. Au sud, c'est souvent la déforestation, la création de plantations, par exemple de palmiers à huile. Hein. Qui dit déforestation dit aussi fragmentation forestière. Au sud, mais aussi au nord, développement des surfaces agricoles, de la création aussi d'infrastructures routières qui vont là aussi interférer avec le déplacement des animaux. Hein. Et puis aussi, on l'a vu, le commerce d'animaux sauvages et la consommation, ce qu'on appelle la viande de brousse, par exemple. Donc, tout ça va augmenter, je dirais, les contacts entre une population humaine croissante et ceux qui restent de la nature sauvage, de la biodiversité sauvage. C'est vraiment, pour moi, la perturbation de l'équilibre des écosystèmes dû à différents facteurs. Si on détruit les habitats naturels pour construire des villes, pour faire de l'agriculture, les populations animales qui vivaient dans cet écosystème qui détruit, premièrement, vont être stressées, elles vont avoir tendance à se déplacer pour habiter d'autres endroits. Par ces déplacements, elles peuvent être, par exemple, mises en contact avec d'autres espèces animales ou une fréquence augmentée de contact avec des populations humaines, ce qui favorise également le passage de ces agents infectieux d'un réservoir animal à l'humain. Puis, elles peuvent être dans des nouveaux territoires, donc qui n'étaient pas habités avant, donc exposer des populations humaines ou animales qui n'avaient jamais été exposées à certains types d'agents infectieux auparavant. Donc, c'est vraiment l'ensemble des perturbations et c'est très complexe. Donc, on ne peut pas mettre un doigt sur le problème facilement. Il faut être lucide. Hein. Ce qui reste de la biodiversité sauvage, c'est pas grand-chose. Et on sait que ces zones restreintes de la planète sont sous la pression donc d'activité humaine croissante, en sachant que cette vie sauvage, elle va réagir, bien entendu. Hein. Les espèces, il y a l'exemple assez connu des roussettes, des grandes chauves-souris en Asie du Sud-Est, qui vont, du fait de la destruction des habitats forestiers, vont être retrouvées dans des vergers péridomiciliaires. Lorsqu'il y a eu l'épidémie de virus Nipah en Malaisie, à la fin des années 90, début des années 2000, qui étaient des épidémies d'encéphalite dramatique chez des écarisseurs de porcs, on a bien reconstruit toute l'histoire. Et l'histoire était que la nécessité de nourrir les gens oblige, dans une certaine mesure, l'élevage intensif du porc. Pour élever les porcs de façon intensive, il faut leur donner de l'espace pour s'alimenter. On déforeste, on plante
des arbres, des vergers, en même temps on se nourrit. Tout ça change les écosystèmes. Les chauves-souris qui sont porteuses de virus Nipah vont se rapprocher des porcs et l'homme étant près du porc, dans son élevage ou dans son abattage pour obtenir la viande, se contamine. Donc c'est toute une chaîne qui est créée par un écosystème modifié globalement par les nécessités humaines d'alimentation, par exemple. Ces chauves-souris, normalement, étaient sur des forêts de Bornéo, de Sumatra. Forte déforestation pour faire du palmier à huile. Palmier à huile pour qui ? Bah, pour le marché global de l'huile de palme, qu'on continue d'ailleurs pour en faire de l'agroforesterie. Avec ça, on allume des feux de forêt. Encore humain, mais pourquoi ? Pour accélérer la déforestation, reconquérir. Pas de nourriture, pas de forêt, des feux. Ces chauves-souris sont obligées de migrer. Et puis, bah, il y a eu passage d'un virus sur le cochon. Ces cochons qui sont envoyés sur les abattoirs de Singapour, bah, les employés des abattoirs de Singapour commencent à mourir. Donc là, on a vraiment bien une connexion finalement entre le palmier à huile, l'élevage de cochons, qui sont finalement pris dans un marché global de cette marchandisation du vivant. C'est toute une chaîne qui est créée par un écosystème modifié globalement par les nécessités humaines d'alimentation. Les forêts, finalement, sont des barrières naturelles entre nous et absolument, absolument. Ça repose la question de la biodiversité. C'est-à-dire que dès qu'on réduit la biodiversité, dès qu'on raccourcit les circuits au fond d'interaction entre l'homme et le monde sauvage, animal, on crée ce lien artificiel, mais qui malheureusement véhicule ces virus. Ce sont donc les humains qui ont libéré les virus. En fait, cette crise sanitaire est une crise écologique. Elle est le résultat de la crise écologique, qui a vu s'effondrer toutes les barrières biologiques. Selon l'OMS, 60% des maladies infectieuses seraient d'origine animale. Plus des deux tiers viennent des animaux sauvages. En 60 ans, plus de 350 nouvelles maladies infectieuses sont apparues. Et selon le Global Virome, la faune sauvage abrite 1,7 million de virus encore inconnus. Ce qui nous arrive aujourd'hui doit nous convaincre de repenser notre rapport à l'écologie. Sinon, ce qui nous attend risque d'être bien pire. Finalement, le problème, c'est que c'est révélatrice, oui, d'une crise écologique. Une crise, finalement, de la régulation normale qui était des interactions du vivant et des interactions du vivant où les humains sont partie prenante dans le système de globalisation, dans le système local qui se trouve soumis finalement à l'impact de la globalisation qui affecte la biodiversité, qui affecte les habitats, qui affecte les humains. On va de crise sanitaire en crise sanitaire. D'un autre côté, on va de crise économique en crise économique. On ne peut pas le nier. On va aussi de crise sociale en crise sociale. On ne peut pas le nier non plus. Elles ne sont pas non plus déconnectées, tout ça, des crises écologiques. Et ces crises écologiques, finalement, sont la conséquence d'une certaine mode de fonctionnement économique. Les crises écologiques qui vont arriver avec la crise climatique, qui va être dramatique si on ne fait rien, si tout ça se met ensemble, c'est une crise systémique globale. Je ne vois pas comment on va pouvoir arriver à sortir par le haut. On ne peut pas reprendre le business as usual. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment qu'on retransforme nos sociétés réellement. La marchandisation du vivant, cette commodification de tout le vivant nous mène dans le mur, c'est-à-dire qu'elle nous mène dans la catastrophe où on est. Le néolibéralisme, c'est un danger finalement qui nous arrive directement sur notre santé. Qu'est-ce qui fait en sorte que des gens vont commercialiser des espèces d'animaux sauvages? Oui, c'est sûr qu'il y a certaines habitudes culturelles. Par contre, il y a aussi la question de la subsistance. Donc, soit pour avoir une certaine forme de revenu, pourquoi on va faire du braconnage, par exemple, pourquoi on va aller chasser des espèces qu'on n'a pas le droit de chasser ou dans des plus grandes quantités, pourquoi on détruit justement ces populations animales. Mais souvent, si on remonte un peu, ce sont les populations vulnérables qui vont adopter ce type de comportement. L'exemple d'Ebola, là, on parle de subsistance directe. Donc, si on est
une famille, par exemple, en Afrique de l'Ouest qui souffre vraiment d'insécurité alimentaire serait tentée d'aller chasser davantage de viande sauvage ou même de ramasser des carcasses malades, finalement, pour la consommation personnelle. Mais le risque associé à cette pratique est extrêmement élevé. La situation actuelle devrait nous faire réfléchir à notre responsabilité collective face à la protection environnementale, c'est certain, mais aussi à la protection des populations les plus vulnérables du côté humain. Donc, on ne se sent pas toujours affecté directement, nous, dans notre contexte occidental, par cette pauvreté et insécurité alimentaire. Mais si on remonte la boucle, on se rend compte que cette insécurité alimentaire, de toute façon, nous affecte au bout du compte de différentes façons. Là, en fait, c'est vraiment une maladie, la mondialisation, parce que finalement, ça nous dit quoi? Ça nous dit que animaux et humains et virus qui se trouvent connectés à un endroit donné se retrouvent sur toute la planète. S'ils se retrouvent sur toute cette planète est mondialisée. Elle est mondialisée par la marchandise. Elle est mondialisée par les échanges. Elle est mondialisée par l'économie mondialisée qu'est à l'heure actuelle. Quoi. Le concept « une seule santé » en fait prône justement cette reconnaissance des liens intimes entre la santé humaine et les santé animales et des écosystèmes. Donc, on ne peut pas préserver l'une santé sans les autres. Il n'y a qu'une seule santé, dans le sens où si on veut que nos êtres humains soient en santé globalement, il faut préserver l'équilibre des écosystèmes et préserver la santé des populations animales, sauvages et domestiques. C'est vraiment une vision systémique. C'est un système complexe, probablement l'interaction de tous ces facteurs qui font en sorte qu'on favorise l'émergence de certains agents pathogènes d'origine animale. Cet équilibre dont je viens de vous parler, cette reconnaissance de la santé humaine est intimement liée à la santé de la nature et à l'équilibre finalement de ces écosystèmes, est très proche de la vision autochtone, du moins canadienne, de la santé. En fait, c'est que ce que je dis, c'est que ce serait intéressant finalement, pour une fois, de se tourner vers les peuples des Premières Nations ici au Canada ou ailleurs dans le monde et les Inuits pour les écouter finalement cette fois-ci. Peut-être que leur vision des choses qui semble avoir mieux préservé cette vision qui prône cet équilibre que nous avons su le faire avec notre industrialisation un peu à l'extrême dans certaines circonstances. Si on ne tire pas de leçons de ça pour le futur, je pense qu'on va vraiment définitivement à la catastrophe pour la planète. Si la population n'a pas bien compris ce qui s'était passé en dehors du choc et du drame, je ne suis pas certain qu'elle sera équipée pour la prochaine. Si on continue à détruire une large part des habitats peu anthropisés, des collègues qui font des modèles, des scénarios, montrent qu'on risque d'impacter très fortement ces services et de se retrouver dans une situation où c'est même la survie de notre célèbre espèce humaine qui sera mise en cause. L'avenir, c'est sur cette planète dite bleue, hein, et il faut la préserver, il faut la préserver vite, parce que sinon, on va être mal parti.